Eh bien bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne C'est Fringue. Aujourd'hui on est toujours et encore sur un nouvel épisode de Bienvenue en Savane. Et écoutez, on y va tout de suite. Allez, on fonce avec la carotte, bien sûr. Quelle jolie vue les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Une jolie petite vue par là, hein. Une jolie petite vue, il y a toujours mon truc là-bas. Ok, je suis toujours pas allé chercher. Eh ben écoutez, ici ça avance pas trop mal. Ah, j'ai rien fait de spécial. J'ai fait une petite machine à poulet. Je suis revenu de mon expédition de minage. J'ai récupéré des trucs et j'ai décidé de pouvoir faire ma fameuse usine à poulet. Même si j'avais déjà eu un chest avec de la redstone. Mais j'ai fait ma machine à poulet. Donc, comme d'habitude. Comme d'habitude. Marche toujours aussi bien. J'ai mon petit chest. Commence à se remplir, c'est tranquille. J'ai un autre petit là. Et ça grésille toujours un peu. Là, j'avais pas beaucoup de nana, j'avais 2-3 poulets, j'aurais donné à bouffer. Donc là, j'en ai tué une quantité parce qu'il y en avait quand même un peu trop. Pour pas que ça grésille ou que ça bug un peu trop. Donc toujours pareil. Petit coup de lance-flamme. Et puis, on est tranquille. Jusqu'au prochain passage. Qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? Dès que je me coince pas dans la porte, le soleil se couche. Mes PNJ sont toujours planqués là-bas, en haut, dans la salle des portes. Ah, c'est donc ce que j'ai récupéré de mon minage récent. C'est pas trop mal, c'est franchement pas trop mal. Je suis content, ça c'est plein déjà, c'est malheureux ça. Donc là, mon petit chest de cold. Je me suis rajouté des fonds de neige ici. J'ai fait cuire de la nether brick ici. Pour faire des nether brick, des blocs de nether... bloc de nether brick, et il me faut du colorant du style le colorant, donc c'est les nether warts. J'en ai, mais je les ai pas encore plantés. Bah, j'ai pas le sable des âmes, j'ai pas le sable des âmes. Je crois qu'il y avait un chest par là au fond. Donc, je vous ai montré mon escalier, mon nouvel escalier qui descendait. Il me semble, j'ai déplacé ma salle d'enchant, je l'ai mis ici, et en minant par ici, qu'est-ce que nous voyons? On voit pas trop, mais on le voit. Un petit chest ici, donc on va aller chercher, mais avant toute chose je vais poser ça là avant d'avoir des problèmes. Puis il me faut de la dirt pour pouvoir remonter sans trop de problèmes. De la dirt, je fais un petit chest, je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Je vous attendais exprès les amis pour aller voir ce qu'il y a là dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Non, nous loupons pas. Ah, chouette, un petit nécessaire de wagonnet. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est bien, ça. Bon, je vais prendre. Petit nécessaire de wagonnet. Ça, c'est cool. Et là, comme vous pouvez voir, les amis, il y a un petit truc bizarre qui est ici. C'est parce que, tout simplement, on est... Je sais plus quelle date on est. On est passé à la... Un point 2. Si je ne m'abuse, hop, un bloc, pas qu'il y ait de problème, j'ai cassé mon verre que j'avais mis, et on est à la 1.2 comme vous pouvez voir. Bon, 1.12 vanilla, ouais, 1.12, bah oui, 1.12, pardi, 1.12, on était à la 1.11, et maintenant on est à la 1.12, et ça c'est bien cool, il y a pas mal de trucs bien cool là-dedans, et vraiment pas mal de choses. Avec ces petits trucs, avec tous ces nouveaux petits blocs intéressants. C'est vraiment très très intéressant, c'est vraiment super. C'est bien, hein, ils nous donnent des crafts, ils se disent, je sais pas comment on fait ça, bah c'est comme ça. Et ça, ah non plus, je me rappelle plus de celui-là. Ah, et celui-là. Oh, on peut faire du coton avec de la ficelle. Vous êtes sérieux, on peut faire du coton avec de la ficelle? Alors, vous pouvez le voir les amis, on peut faire du coton avec de la ficelle. Bon, ça, je suis outré, là. Carrément je suis outré. J'avais pas. Un tas de trucs, les amis, un tas de trucs. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire ça? Avec de la glowstone. De la redstone en bloc. C'est pareil, les fleurs, un petit bouton. Comment on fait? Comment on fait, Fraggy? Comment on fait? Bah écoutez, il y a tout ça. C'est beau. C'est beau. Et ça, c'est franchement bien sympa qu'on se rappelle plus du craft. Parce que la fois, on a du mal à tout retenir. Hein.
Donc ici, donc j'ai enlevé ma chasse d'enchant. Ici, je l'ai enlevé, je l'ai mis de l'autre côté. Ça, on va foutre ça là-dedans. Un petit chest. Je vais faire un petit dodo. Donc, vu qu'on est à la point 12, on a nos petits lits de plusieurs couleurs. Il y aura déjà des tutos, des tutoriels sur la nouvelle version de Minecraft. Donc, je vais pas vous le refaire. Je vais pas vous le refaire. Je vais pas pouvoir faire grand chose parce que. Du style des lits de couleurs, j'ai pas de coton de couleur, j'ai pas grand chose, et je vais pas pouvoir démontrer quoi. Je vous le démontrerai quand j'aurai l'occasion de faire, hein, quand j'aurai besoin de le faire. Ça, je me suis fait un petit escalier tout neuf pour mes petits PNJ, mais j'en avais marre de faire le tour, de monter par mon baraquin là. J'ai agrandi un peu ma culture, j'ai agrandi un peu mes cultures, je me suis mis mes petites pastèques ici, j'ai mis une petite porte là. Non, ça c'est un bloc de dirt. J'ai mes petits blocs là. En attendant, je vais mettre ça là. Je vais mettre la stone, donc la stone brick. Donc là, c'est tout bien terraformé. Là, c'est la descente à mon minage. J'ai fouillé tout le secteur. J'ai pas trouvé. J'ai fini de prendre ce qui restait. Et puis voilà, bah, faudra que je fasse mettre les lumières et tout. Allez, un petit lac. Ça c'est moi qui l'ai fait, le petit lac. C'était joli. Et là, comme vous pouvez voir, je vous ai attendu pour ce petit chest qui est juste ici. Donc on va aller voir ce qu'il y a. Ouh, ça c'est beau ça. Des armures en diamant. Avec une épée en diamant. Ouh, ça c'est bon. Des arcs, des flèches. Ce qu'il faut faire pour des flèches. Des Spectral Arrow. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Les amis. L'administrateur a été gentil avec Frankie. C'est moi l'administrateur. Mais j'étais gentil quand même. C'est vrai qu'il était pas très. Y a pas d'autre chose qui traîne par là. C'est vrai que l'administrateur il a pété radin sur ce coup-là. Donc, ma petite descend toujours, il n'y a pas de souci. On pourrait même essayer de choper le truc d'eau qui est par là-bas. Là-bas dans le coin. Faudrait que j'aille là-bas dedans. Ça m'intéresse d'aller voir là-bas dedans. Bref, je sais pas grand chose. Je vais choper tout ça. Je vais pousser tout ça en haut. J'ai peur de. C'est vrai qu'il y a des escaliers, c'est comme on monte quand même vachement vite. Je vais poser ça dans mon chest. Et puis on va voir ce qu'on fait après. Donc j'ai agrandi un peu ma petite plateforme là, donc il fallait que je déplace tout ça. Je vais descendre par ici, mes PNJ sont toujours là, tranquille et mille. J'ai une petite armure en diamant, ça c'est bon. J'ai mis les champignons ici. Pour pouvoir faire mes potions incessamment, parce que j'ai de toute façon un brimstone, comme vous pouvez le voir. Ça, je vais mettre là, c'est tellement beau. Un arc, des flèches. De quoi faire des flèches, l'armure je vais la mettre aussi. Et puis j'avais trouvé des maps et je vais faire une salle de map ici. Donc là j'ai pas agrandi, c'est la map d'origine. Je crois que je vais laisser comme ça parce qu'on va vachement bien. Et j'essaie de, faut que je me fasse des boussoles pour me faire des nouvelles maps que je découvrirai au fur et à mesure. Et ça fait un joli relief. Donc ça c'est ma porte, ça c'est ma porte du Nether qui est ici. Et ma montagne commence là. On est d'accord. Donc ça c'est ok. Il faudrait que j'aille au Nether récupérer du sable des âmes. Puis il me faudra incessamment des seaux de lave hein, pour me faire une fournaise. Faire une fournaise. Et puis on va voir ça quoi. On va voir ça tout de suite. Allez. Et nous revoilà les amis, nous revoilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous démontrer? Donc ça c'était les ustensiles que j'ai utilisés. Là j'ai bien un Nether Wart, j'ai deux Netherrack. Il me faudrait du sable des hommes pour pouvoir faire cette plantation. Quelque part par ici j'ai un lit, il me semble qu'ils ont changé de sens, vous avez vu, il est plus dans le même sens. Le lit était beaucoup plus simpliste. Et ça c'est ce que j'avais miné là en dessous, donc de la redstone pas mal. J'ai le diamant qui est là. Je sais pas ce qu'elle fout là ça.
Et puis c'est vrai que dans le Nether, on n'a pas trouvé de forteresse dans le secteur. On n'a pas trouvé de forteresse dans le secteur. Et puis pareil, hein, dans la table de craft, hein, donc il y a tous nos petits trucs, il y a un tas d'autres choses, hein, il y a plein de tutos super cool. Donc ça vous dit spécifiquement ce que vous pouvez faire avec. Parce que vous avez été bloqué, il me semble, si je ne me trompe pas. Et plus vous avancez, plus ça débloque des choses, ou ça vous débloque le craft quand vous tombez sur les bons items et tout, bref. Ça vous dit tout, et là franchement ça peut être sympa, ça évite d'avoir la tête blindée de. Blindé de crafting quoi. On se souvient pas toujours de tout. Hein. On devrait jouer sur ma table de jouer sur un site pour avec la table de craft complet, de tous les craftings complets. Pourquoi il est double? Il est double, hein, ce mirant. Et pour certains trucs quoi. Enfin, je me rappelle plus tout. Ça faudra que j'en fasse un jour un jeu de box avec un diamant carrément. Il est cher le jeu de box. Et voilà. On peut faire avec toutes les couleurs, c'est marrant, les trucs qui sortent, qui changent de couleur. On dit voilà, je veux ça. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Du style on peut mettre du style quoi? Ça. Ça c'est un petit mur et ça. Une boussole. Non, c'est la boussole, ça c'est ça. Voilà. Petit corollaire en bleu. Ça c'est vraiment sympa, hein, franchement, c'est vraiment super sympa. Petit gâteau. Jamais fait de petit gâteau, moi. C'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Donc moi j'aimerais bien faire un petit saut au Nether, essayer de choper du sable des âmes, je sais que j'en ai vu. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand on met des trucs là-dedans, des trucs là, quand on sort, ça saute plus de la machine. C'est généralement quand c'est dans la table de craft et qu'on les a pas, on n'a pas crafté quelque chose avec, dès qu'on sort, ça saute la table de craft. Mais là, ça reste dans l'inventaire, c'est pas mal ça. C'est pas mal, donc on va choper 2-3 pioches, j'ai des pioches. Je vais aller choper du melon ou du poulet, peu importe. Bon, ça c'est les patates, je vais en laisser une là, ça m'intéresse pas. J'ai tué un Enderman aussi. Une première Enderperle. Elles sont là, mais je commence à avoir du matos partout de nouveau, va falloir que je m'organise dans ces chests, va falloir que je recoupe du bois. Trieur, je crois pas que ça va être possible tout de suite, parce que j'ai vraiment pas assez de matos. J'aimerais faire un super méga trieur quoi. Trieur qui trie le maximum de tous les items, quitte à avoir un chest par item. Donc ça peut faire énorme. Donc, piochant. Ça va, je balance. Donc j'ai une pelle, une petite pelle quand même. Elle est un peu fatiguée ma pelle. Ah, elles sont ici. Tu sais que je vais les laisser par là parce que c'est la table d'enchant donc je pouvais enchanter 2-3 trucs vite fait. Et puis il faudra que j'ai planté des petites cannes à sucre là en haut, tranquille et mille, pour pouvoir rester quand même. Je préfère une pioche hein, à ce prix-là. J'avais une pioche fortune dans le temps. Je sais pas où je l'ai mis. Et je préfère ça quoi. Je préfère utiliser mes enchantes pour des pioches ou des armes, pas pour une pelle, ça serait dommage. Donc là j'ai encore pour 10 livres, c'est bon, mais il me faut des feuilles, c'est en cours. Donc il me faut de la bouffe. Là je vais foutre le chest là, s'il veut rentrer, non, bon, d'accord. On se fait encore un chest là aussi, ça commence vraiment à être l'invasion ici. On va prendre un peu de poulailles. Donc là les petits poulailles pour dans ma machine un peu tranquillement. Tac. Ce qui me manquera aussi, c'est du comment ça s'appelle? Du slime. Slime block. J'aurais besoin de slime block pour mes machines. Mais je n'ai pas de biome marais dans le secteur, il me semble. Je n'ai pas non plus de chunk à slim. On va chercher un par les sites, bien entendu, mais ça me dit pas grand chose pour l'instant. Donc, je sais que j'avais dans un chest récupéré un bloc de slime, des boules de slime, ou un bloc de slime, un bloc de slime. Et ça suffira pas. Je ferais moyennement pour faire une machine pour faire évoluer ma machine
en automatique ou même carrément faire des une machine avec les minuteurs et tout. Il y a une grillade automatique comme je les aime. Mais ça sera en projet. C'est quoi qu'il y a là-bas? Un lapin. Un lapin. Ici, il n'y a nettement plus rien, quasiment. Donc on se retrouve dans le Nether. Allez, à tout de suite. Et me revoilà les amis, comme vous pouvez voir, j'ai fait une petite détente jusqu'à la lave. Il y a ces nouveaux petits blocs, enfin ces nouveaux, sont plus si nouveaux que ça, c'est de la version d'avant, vu que maintenant on est à la 1.12. Et je me fais une petite plateforme. Je me fais une petite plateforme bien au bord de la lave, car c'est ici que je vais récupérer mes seaux de lave pour ma future fournaise. Au lieu de m'embêter à aller chercher de la lave dans notre monde à nous, autant venir ici où la lave, il y en a à foison pour pouvoir alimenter notre fournaise. Donc de l'argent, on en a déjà pas mal pour faire des seaux. Et peut-être qu'ici, vu qu'on a réussi à choper des petits wagonnets, on pourra faire un petit truc à wagonnet. Attention, faut pas que j'aille dessus, autrement, aïe. Ça fait bobo. Et pour renvoyer ça, les petits wagonnets près de ma porte, y compris de l'autre côté, car faire passer un wagonnet par la porte du Nether et arriver qui rejoignent le circuit après la porte, je sais pas encore à 100% si ça marche. Je sais pas encore, mais bon, si on peut déjà envoyer jusqu'à la porte et sortant de la porte, la renvoyer de l'autre sens. De l'autre côté jusqu'à notre fournaise où on aura décidé de la faire. Ah, je vais me faire bobo là. Aïe, oui, aïe, oui. Ça serait pas mal. Moi je dirais que ça serait pas mal. Donc on va finir d'aplanir ce niveau là. Cette petite plateforme bien sympa. Je me laisse quand même assez de place pour pas avoir de problème. Au cas où avec des gaz par exemple. Ces blocs ils sont superbes. Je les adore. Ils sont beaux. Dans la version mode grange qui a eu les mises à jour, ça, il n'y en avait pas des masses ou même pas du tout. La version ne s'est pas mise correctement, a pas généré correctement dans le Nether. Et j'en avais pas beaucoup ou j'en avais peut-être même pas du tout. Quoi, j'en ai même pas du tout parce que là il y en a quand même partout. Donc là je suis content, j'en ai. Et ça c'est pour faire de la lumière, ça va être vraiment sympa. Les amis, ça va être vraiment sympa. Alors, je mine, je les mine quaiement avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir ces petits blocs, parce que pour faire de la lumière, ça va être vraiment superbe. Encore mieux que la glowstone, vu qu'on peut. On peut les mettre à plusieurs intensités. Enfin, plusieurs intensités, à les mettre à des intensités différentes de luminosité. Et ça, c'est vraiment formidable. Gamincraft, ils pompent pas toujours des trucs, mais quand ils le font, c'est quand même bon. On va laisser ce petit trou là, tant pis. Et puis, les forteresses dans le coin, il n'y a pas grand chose. Ça, c'est un peu plus loin. C'est chaud bouillon, hein, quand même. C'est pas sympa ces petits escaliers. C'est chaud bouillon. Il n'y a pas de quartz ça, par là. Ça me gêne un peu qu'il n'y ait pas de quartz là. Bah, je vais mettre un chest ici pour choper les. Pour pouvoir mettre les. Sauts de lave ou les wagonnets quand ils arriveront. Au moment où on fera. Ce circuit. Car les wagonnets et les quelques rails que j'ai ne suffiront nettement pas. Faudrait que je trouve une mine désinfectée là. Ce sera vraiment intéressant. Pour l'instant, je ne vais pas tomber dessus. Il pas trop que je mine par là, mais après, je peux plus monter. Bon, on va retourner vers ma porte. Alors, en courant. La plateforme, c'est un peu tendu la plateforme, parce que c'est un gaz qui pète. On va s'envoler. Alors, on pas grand-chose. Et allez, on repart. Et voilà.
Donc on va continuer à miner par là, je dirais. J'étais parti à aller chercher cette plateforme. Donc on va continuer dans ce sens-là. J'allais chercher le quartz là-bas aussi. Il faudrait que je me mette à la chasse une forteresse, ça serait bien. À l'occasion. Trouver une forteresse, ça peut être vraiment sympa. Pouvoir trouver des petites chests intéressantes. Des selles par exemple, je suis pas sûr que j'en ai en fait sur le coup là. J'aurais besoin de cheval, mais j'ai pas de selles, il me semble. Beaucoup de sel, bon je vais péter ma pioche. J'aimerais bien tomber sur du quartz. J'ai que du quartz, il y en a par là. Où y en aurait-il par là? Où y aurait-il du quartz? Il y en a là, mais c'est pas terrible. Bon, on va rester de faire la Nézara. Nézarak. Entre-temps, à la maison, j'ai miné un peu pour. Faire ma petite. J'ai récupéré le temps de faire mes escaliers, j'ai récupéré du sable des âmes qui était juste là en dessous. Et puis j'ai fait ma petite culture de Netherworks pour pouvoir colorer mes briques de Netherbrick. Bouge. N'est-ce pas la mupi qui met Pic Zombie? Pic Zombie. Oh, t'énerve pas, hein. Je vais miner, hein. Je pète ma pioche et puis je m'en vais. Hein, tu te nerves pas, ça sert à rien. Je vais faire ma petite partie tranquille, hein, de m'embêter de poids. Et ben voilà, j'ai plus de pioche. Donc on va récupérer ce qu'il y a dans ce chest. Donc ça on va le laisser, ça on va le prendre. Et ça on va le prendre. Et puis on se retrouve. Ah non, j'ai ça aussi. Et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Tiens. Est-ce qu'on se le fait? Est-ce qu'on se le fait le méchant? J'ai combien de flèches? J'en ai aucune! Alors on s'en va! Allez zoom! Putain, faudra vraiment que je me fasse un passage pour arriver plus facilement à ma porte parce que là, faut que je fasse monte le petit monticule. Après détruire carrément le petit monticule, je suis pas vraiment certain de vouloir le faire. Je laisse quand même le site approximativement comme il est, ou alors un petit tunnel comme ceci. Qui peut être sympa, mais on va voir. Alors, on va grimper jusqu'en haut. Ça, c'est chiant quand même. Mais bon, ça va quand même assez vite. C'est une drôle d'idée d'habiter dans une montagne fringue. Quelle drôle d'idée. On court, on court, on court. Ça, c'est cool. Allez, l'escalier, ça va quand même vachement vite. Et voilà, on y est. Ferme la porte quand même. On n'a pas de visite, hein. On n'a pas de visite. De méchant. Tiens, salut toi, comment ça va? Qu'est-ce que tu vends toi? Toi, c'est de la bouffe que tu veux. Désolé, j'en ai pas pour l'instant d'ailleurs, en parlant de bouffe, je devrais manger rapidement. Je crois que je vais mettre ma Netherrack là-dedans. Bah, on est toujours dans la fournaise, mais il n'y a plus de charbon. C'est pour ça qu'il me faut des seaux de lave. Il va falloir que je me fasse des seaux de lave. Des seaux de lave incessamment, parce que autrement, le charbon ne va pas suffire à fond. À faire tourner toutes mes fournaises, hein, mes futures fournaises, on va dire. Qu'on ne sait toujours pas, on va les faire, hein. On va avoir là incessamment. Bon, là, le chest il est plein à ras-bord. Je vais me prendre un petit. J'ai pas envie d'utiliser l'acacia, parce que je l'utilise pour la structure d'ici. Tiens, j'ai des. Bon, on va prendre pour en faire un chest unique. Petite chest uniquement. Voilà. Petite chest, on va le mettre ici. Tac. Et là, on va pouvoir foutre ça là-dedans. Vu que c'est ici qu'on va faire cuire pour le moment. Ça, je peux le refoutre là. Et puis. On est pas trop mal. On est pas trop mal. Que j'organise tout ce foutoir là, donc ça je vais mettre là, ça aussi en attendant. Voir si nos petites
Les Horwarts poussent, donc j'ai tout détruit et je les ai mis là. Ça pousse, donc j'en ai 10. Hein. Est-ce que j'avais trouvé dans le chest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on va attendre que ça bouge. J'ai fait faudrait que je mette un chest ici. Un bon trou jusqu'à là. Une plateforme, pas qu'il y ait de spawn. Au pire qui tombe. Donc là, on a une jolie petite vue, une jolie petite salle pour nous. Des Horwarts. J'ai posé mes mushrooms là. J'espère, je sais pas si c'est vraiment les mushrooms. Mushrooms, tout à fait. Et puis, voilà, ça sera ma maison culture ici. Et puis, on va faire un tour à notre machine à poulet. Ça pond, ça marche. C'est formidable. C'est vraiment ça qui manquait. Voilà. On va pouvoir faire des flèches incessamment. On devra même en faire rapidement vu que j'ai les arcs mais pas les flèches. Donc je retrouve mon matos. Les amis. Ouais, je retrouve mon matos où j'aurais pu foutre mes flèches. Là j'en ai. Mais ça fait un peu beaucoup. Je reprends un titre. Voilà. Et puis. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Donc on va voir si tout le monde est encore vivant ici. Salut! Tu veux du coton, toi? Est-ce qu'ils sont tous là? Ils sont tous là, hein? Ils sont tous coincés là? Il me semble qu'il y en a de moins en moins, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins des PNJ. J'ai encore 20 œufs, mais. Il me semble qu'il y en a de moins en moins. Ils sont toujours regroupés, hein? Ils sont toujours tous regroupés, manifestement. Peut-être voir en haut. Il commence à faire nuit. Lui, il est là. Et un peu téméraire de rester à cet endroit là. Ah, t'es là aussi toi. Salut. Oh, les cannes à sucre sont là, faudra que je me mette différemment. Pour faire mes livres, pour mes bouquins d'enchantes, pour mes bouquins de ma salle d'enchantes. C'est des arbres donc on n'y touche pas. Ils sont tous là. Bon, il y a un golem qui traîne là. Mais vas-y, pousse-toi. Mais remonte, garde ici, s'il te plaît. Et puis on va aller directement en bas. On va faire un petit dodo, je crois. Parce qu'il fait nuit. Pour pas qu'il y ait de problème. On va faire un petit dodo. Attends, je vais déjà le convertir en feuille. Un petit dodo et on se retrouve tout de suite après. Allez, ah, ça fait toujours bien une petite belle petite nuit. Bon, on va faire des bouquins. Il me reste plus beaucoup de peau. Hein. Faudrait que j'aille à la chasse. Ça. Mais voilà, j'ai plus que 7, donc ça me fait deux bibliothèques. Quand j'ai vraiment plus beaucoup de bois, j'ai que du bois, de l'acacia. Je vais pas utiliser de l'acacia pour faire des trucs de base, tout ce qui est bois machin. Je préfère garder l'acacia pour la construction, mais j'ai rien d'autre pour l'instant. Faut vraiment que je retourne à couper mes petits arbustes qui, je crois, doivent être poussés. Il me semble, tac. Il me reste un livre en rab. Bon, bah écoutez, il me reste un livre en rab. J'en ai pas un autre qui traîne par là. Non. Bon. Est-ce que mes arbres poussent là en haut? Je sais pas, faudrait que j'aille voir. Donc on va aller poser ça. Ah, il faut que je remette ma vitre, vu que j'ai cassé exprès pour chercher le petit chest. Est-ce que j'ai de la vitre ici? Non. Non. Faudrait que j'organise ce foutoir, hein, parce que là, il commence à avoir du bordel partout. Et je ne sais plus où mes affaires sont. Je pense que la vitre elle est de l'autre côté ou peut-être dans un chest. Ouais, tu sais, la plupart du temps le matos il est tout par là quoi en fait. Ouais, il est tout à fait par là. Donc on va aller mettre cette petite vitre. Faire une jolie petite
fenêtre jolie comme vous pouvez voir. Et on fait mettre les deux petites étagères qui restent. Une, deux. Et puis écoutez, ma petite salle avance. Ma petite salle avance, les amis. Ma petite salle avance. On ferme les portes. La culture. Cultive, s'il te plaît. Allez, pouf! Non? Tu cultives pas. Espèce de malhonnête. Alors toi, tu fais du coton, toi. Tu vas pas cultiver, tu veux du coton. Tu ne cultives pas, forcément. Bon, bah, tant pis. Allez, on continue tout de suite. Les arbres sont prêts. Je crois qu'on va les couper. Allez. Tout de suite. Salut les golems, salut les golems, ils sont tous là, je sais pas pourquoi. Compte des PNJ, j'ai l'impression, les amis, qui sont en train de disparaître furtivement. On a de moins en moins, j'ai l'impression. Il y en a de moins en moins. Des PNJ. Alors, quoi de neuf depuis tout à l'heure? J'ai construit un futur, je vais construire un futur petit parc pour les chevaux ici. Vu qu'on montera avec les chevaux ici. Mais pour l'instant j'ai pas de chevaux. Mais d'accord. On a fait quoi d'autre? J'ai l'impression qu'ils ne cultivent pas beaucoup. Je crois que j'ai dû perdre des PNJ en route. Hein. Il y a un petit passage pour aller à ma petite. À ma facture petite. De grand, je voudrais dire, qui est là, mais il est condamné parce que c'est pas encore fini. Et on va descendre pour voir qu'est-ce qu'il y a de neuf. Donc, ma machine à poulet est toujours ici, là en plein essor. Je leur ai donné beaucoup à bouffer, j'ai balancé beaucoup de nœuds d'œufs, et puis là, j'ai pas mal de poulets. Il y en a qui sont morts aussi entre temps, car j'ai dû les trucider. Car ils étaient méchants avec moi, donc je les ai trucidés. Le soleil se couche. En plus, on est dans le bon axe, hein, disons. Ça, si elle est presque bon, là, si on se pose là. Ouais, on est presque dans l'axe du soleil, c'est beau. Ici, pas grand chose de plus. J'ai ma salle des cartes toujours là. En temps de faire un peu d'exploration pour pouvoir mettre des cartes. Ici, bah, pas grand chose de plus. Il y a déjà la nuit qui monte. Et écoutez, bah, si la nuit tombe, on va aller se coucher tout de suite. On revient. Et voilà les amis, l'épisode est terminé pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Merci beaucoup. Merci pour Fringy. Et puis on se retrouve au prochain, qui est bientôt dans les bacs. Allez, salut à tous. Puis faites pas les fous et puis tchou, en suivant la carotte bien entendu. Allez, salut.